Hugo González-Piolli, bonjour. Bonjour. Vos impressions d'avoir dirigé sur ce film extraordinaire? Oui, mais c'est un film assez extraordinaire, le Safety Last, avec Harold Lloyd. C'est un film qui a beaucoup de synchronisation et la place de la musique, bon, comme sur les films muets, mais c'est vrai que pour ça là, c'est assez important. La place de la musique est vraiment importante. Il y a beaucoup de synchronisation, il faut accompagner l'image tout le long du film, pendant 1h20. Il tombe, il se prend des coups sur la tête, voilà, il y a des jolis thèmes d'amour, thèmes d'aventure, et tout ça, il faut le synchroniser avec les musiciens. Donc les musiciens ne voient pas l'image, je suis le seul à regarder l'écran. Donc j'ai un œil sur la partition, un œil sur les musiciens et un œil sur l'image, évidemment, pour synchroniser tout ça. Et c'est une expérience incroyable, c'est toujours un plaisir de revenir chaque année que finir. Ben c'est, alors, combien de collaborations exactement? Alors comme ça de tête j'ai pas le nombre, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai dû faire 3 gros Chaplin, 2 Buster Keaton, celui-là, des courts, mais ouais j'ai dû en faire 7-8. Pour filmer.